Et bonsoir à tous. On se retrouve pour un premier épisode de cette cinquième saison de Station Ears sur Vulcain, avec un jeu en pause, parce que je voulais quand même vous dire bonjour avant de commencer, et que le début va être un peu un speedrun, parce que j'ai sur moi deux boîtes d'œufs. Comment dire? Il va falloir monter un frigo très vite. Alors je sais que mon frigo est dans un sac rouge qui doit être dans la caisse rouge qui est cachée derrière. Donc ça va être un peu la course à l'échalote pour déjà monter le frigo, l'alimenter électriquement et essayer de sauver les œufs. C'est le premier objectif d'aujourd'hui. On va sauver les œufs. Alors, je vérifie, je suis bien en QWERTY, c'est bon, je vais pas perdre de temps en démarrant. Allez, zou. Oui, oxygène low, très bien. Alors, on est sur la version bêta du jeu, j'ai réussi à faire les modifications que je voulais. J'ai ouvert ça dans le mauvais ordre, c'est pas grave. Les modifications que je voulais de sorte de pouvoir. Tu sors. Voilà, tu t'ouvres. Hop, toi je te récupère. Backception, oui. Plum, plum, plum. Large fridge. De sorte d'avoir du coup mes petites habitudes. Les petites habitudes habituelles, donc on a les gros stacks, on a le minage surpuissant et on va avoir bah, tout comme d'habitude. Je pense que j'en ai assez dit. Ok, plum plum plum. Là, quelque part là-dedans, je dois avoir. Football. Ah, ne tombe pas, prends ton jetpack. Tu vas mettre juste ça comme ça. Tu vas nous mettre juste un petit câble. Oxygen low. Oui, oxygène low, il va falloir que je monte un tout petit peu mon. Voilà. Toi, forcément, je t'ai pas mis dans le bon sens. Ça aurait été trop malin. Toi, ça va à peu près. Toi, ça va pas trop. Off on, ok. Bon. Pfiou. Voilà, ça c'était le plus dur, c'est géré. Maintenant. Donc là-dedans, j'avais quoi? J'avais pas les batteries. Et du coup, bonsoir, XK et Famas, parce que pour le coup, je vous avais pas cité. Tu vas augmenter la pression parce que je pense que c'est à cause de ça que il me claque un oxygen low régulier. Alors, non, c'était pas toi que je voulais ranger, c'était toi. C'est pas toi. Ça va être embêtant. Est-ce que j'aurais moyen d'augmenter de réduire plutôt le hot scale sans que ça soit j'ai pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit mais pas du tout c'est pour ça que j'ai moins de place toi ici. Donc, là-dedans, on a des chutes, c'est à toi. Là-dedans, on a des batteries. Voilà, c'était toi. C'était toi en blanc. Hop. Ok. Bon. Alors, où sommes-nous? Sur Vulcain. Oui, ça, je sais. On me l'avait précisé en venant. Par quoi va-t-il falloir commencer? Peut-être par l'énergie.
Donc, on va peut-être se faire une zone d'énergie, bah, pas loin d'ici, on est pas mal. Elle est 270, le soleil se lève par là. Non, là il se lève par ici. Ouf. Midi, soir. Donc il faudrait que j'aligne mes panneaux solaires dans ce sens. Et ben on va commencer par se faire une petite fondation. Alors, je veux clairement pas être au niveau du sol. Donc je vais m'élever un peu. Je veux potentiellement avoir une salle de stockage dont le sol pourrait être ici. Puis. Oh, le sol ici. Puis, hop. Et puis un plafond par là. On va se matérialiser le sol, sauf que je vais matérialiser du mauvais côté. Je vais te mettre plutôt de ce côté-là. Et on va se mettre des piliers comme ça sur cette zone de batterie. Ça fait 3. Plutôt, ça fera 3. Et je veux être la longueur par là. 3, normalement, ça sera suffisant pour les panneaux solaires. J'en avais pris 25, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je vais me limiter à ça. Et on va se faire déjà une petite production solaire comme ça. Le sol étant chaud, on va se surélever en permanence. Surtout, on va mieux capter le soleil. Ça sera pas plus mal. Je verrai s'il faut que je rajoute en dessous pour donner un aspect plus renforcé. Mais en kit wall ça allait, c'était les flat wall. Où sont mes flat wall? Est-ce qu'ils sont là dedans? Je pense. Non, ça c'est tout ce qui est atmosphérique. J'ai complètement oublié les couleurs de mes trucs. Ça c'est mes filtres. Orange, ça devait être la production. Ouais, pas besoin pour l'instant. Toi, noir. Voilà, noir, c'était ça. Donc les flat walls, j'ai corrigé ça aussi. Hop. Avant, on pouvait pas les stacker parce que dans le mode stacked, il y avait une coquille. Maintenant, je peux les stacker. Donc. Non, c'est pas le bon. Prends les flat wall. En flat. Ouais, en flat. Le soleil se lève à peine.
J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ça, je peux économiser un peu de jetpack. On va juste faire la base comme ça. Ça va. Bon, je pense que globalement ça ira à ce niveau-là. Où est-ce que j'avais mis mes panneaux solaires? Ici. Comment je les positionne? Limite, on s'en fout. Pourquoi je peux pas les poser? Ah, parce que juste, j'étais pas dans le bon sens. On s'en fout parce qu'on changera le... On changera le sens. La seule chose dont on se fout pas, c'est qu'on va vouloir mettre la data du même côté, le power du même côté, partout. Comme je commence là, je vais mettre mes batteries alignées ici, donc on va mettre le power de ce côté-là. Mais en que 5 pour l'instant. De la marge. Ok. Heavy Cable, j'en ai sur moi d'abord. Consomme déjà ce que t'as sur toi. Tu vas descendre par là. Moi ou je viens de les mettre à l'envers tous? Je viens de les mettre à l'envers tous. Ah, tous. Non, il n'y a que le premier que j'ai mis à l'endroit. Boulet. C'est bien. Tu commences bien. Donc, avant de faire n'importe quoi, on disait. Et salut XK. J'ai dit salut déjà tout à l'heure. Et salut aussi à tous les autres qui sont arrivés entre temps. Ah, j'ai pas dit ou pardon, non, excuse-moi, c'était le message d'hier soir. Je t'ai dit salut tout à l'heure, mais t'étais pas là parce que je lisais ton message d'hier soir. C'est très malin. Batterie large. Pour l'instant. On va en coller deux. On va en rajouter progressivement.
Et on va se servir de toi. D'ailleurs, hop. Et l'air plus solide. On va se servir de toi pour un IC, une housing. Et câbler tout de suite la data. Par où? Par où est-ce que je vais câbler ma data, moi? Parce que mettons que là, je veuille mettre un SAS pour aller ailleurs. Peut-être pareil de l'autre côté. Il faudrait pas que je que les fils se touchent et de l'autre côté il faudrait pas que ça se touche également. Je vais avoir le power qui sera sur ce côté là. Alors. Ça va être énervant. Non, c'est parce que j'ai toi d'ouvert. Prends-en juste. Un pour le moment. Et un. On a dit, c'était ça. Prends-en un. Oui, il se met à l'envers. Ah, oui. Qu'est-ce que t'as d'autre? Il y a les sensors. J'aurais besoin d'un sensor. Voilà. J'aurais besoin de quoi d'autre? Dans celui-là, c'est tout. Et mes batteries, elles étaient où? Voilà, c'était les IC. C'était le blanc. Une batterie. Alors, je pourrais me mettre par là. Je pourrais me mettre par là. Je pourrais carrément me mettre par là. Toi, par ici. Est-ce que tu es allé au mauvais endroit? Ok, Evie Cable là. Ça c'est bon. Câble simple. Ok, le reste on va voir après. Sensor.
un daylight sensor. On va te mettre dans ce sens-là. Peu importe le sens, on ajoutera, on retirera 90. Comme ça. Là, tu le vois à 91. Donc, si toi, je te règle... il va falloir que j'ajoute 90, clairement. Ok, alors, c'est là qu'on sort le PC et que, normalement, un miracle de la technologie, j'ai pensé à 2-3 trucs. J'ai été récupérer mon script. Il va juste falloir remodifier parce que il n'y a pas besoin de ça, il y a besoin de ça. Et ça, c'était avant. Et l'horizontal. On ajoute 90. Et si je te câblais, ça serait mieux. Électriquement, je veux dire. Donc si je t'avais mis à un endroit où je pouvais te câbler électriquement, ça aurait été mieux. Toi. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et là, il sort. Tu gigotes. Vertical, t'es à combien? Tu fais 15, 90, 15, 90, 15, 90. Je me suis foiré quelque part. Bah alors. On peut faire un max. Je suis pas sûr que ça aide. Donc entre ça et 15. Ok. Ça. Ça, c'est une entrée en matière toute particulière. Oxygen low.
c'est en degrés maintenant. C'est en degrés. C'est plus des pourcents, c'est des degrés, je suis sur la bêta. Là, il bouge entre 15 et 75. Pourquoi il bouge entre 15 et 75? Sachant que lui, il renvoie un vertical à 132. Il bouge entre 15 et 75. Donc ça, ça marchait. Dans V-Panel and Goal, je mets 90 moins V-Panel and Goal. Habituel. Sauf qu'avant c'était 50 moins V panel and goal parce qu'on avait d'abord la division. Ou alors c'est 15 à 75. Et déjà si j'ai 122, 90 moins 122. Pas de raison que ça me fasse... Y a pas de raison. Je piche pas. Comment tu te comportes? Gigote pareil. Pourquoi vous gigotez? DB setting V solar angle. Tu lis 116. Ok. Oh, boulet, bah oui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !